La terre, quand on lui donne ça, elle nous rend au centuple, quoi. Parce que ce que je souhaite vraiment, c'est, on va dire, pas, ouais, décrocher d'un système, en fait. Un système en place qui ne me convient pas du tout. Et créer quelque chose, en fait. Oui, essayer de créer quelque chose d'autre. Parce que là, on va très très loin, là, quand même. Ok, qui je suis, qui j'ai envie d'être demain, et qu'est-ce que j'ai envie pour ce monde demain. On prend soin de la terre, en même temps on prend soin de nous, en même temps on prend soin des autres, en même temps on prend soin des animaux, de tous les êtres vivants, de la biodiversité. Soit le changement que tu veux pour le monde de demain, en fin de compte. De simplicité, de respect de la nature, de vivre en harmonie. Maintenant je prends conscience qu'en fait, bah tiens, là je marche sur une fleur ou un truc, bah donc je fais gaffe, j'essaie de marcher sur plutôt des pierres que retomber à des valeurs comme ça, un peu plus simplistes, un peu plus minimalistes, sans retomber à l'âge de pierre encore une fois. Plus de partage, plus de collectif, plus de. Oui, moins d'individualisme. Peu importe l'autre qui il est. Il existe, il a le droit d'être qui il est et j'accepte qui il est et voilà quoi. Je pense justement dans la spiritualité, c'est de revenir à soi sans égocentrisme, mais c'est la base aussi d'être bien avec soi-même, de revenir à soi, mais d'être connecté, oui, avec la terre, le ciel, avec toutes les histoires qu'on peut se raconter là-dedans. Pour lui montrer notre amour, pour lui donner. Pour lui rendre un peu, c'est ce qu'on disait, pour lui rendre un petit peu de ce qu'elle nous donne. Donc oui, c'est multiplions les gestes. Et puis oui, agissons là, oui, il faut agir. Le grand mot, ouais, c'est agir, il faut agir. C'est le moment. Enfin, ça fait un moment, c'est le moment, mais là, si on ne le fait pas là...